dans une chambre d'hôtel. Sexuel. Jamais. Mais le même professeur, il est professeur congolais en France. Il ne peut pas le faire. Il quitte la ville, il arrive ici. Bas, et la tracasserie devant des syllabus. Pourquoi nous avons étudié, les services étaient gratuits. Mais aujourd'hui, c'est vendu. C'est en fonction de, c'est une condition de réussite. Des réussites. Tu vois déjà Bantivaler Rwanda. C'est pour beaucoup, ils ont un problème. Il y a un monde qui sait qu'il y a un caméra. Ils attaquent à des causes. Il y a un Congolais attendait un changement vital. On ne peut jamais avoir un changement vital sans connaître les causes. Il y a un professeur dans cette ville, il m'a donné cours. Il s'appelle professeur Khalil Kabilé. Ouais. Il a dit ceci dans son livre qu'il a écrit. Il dit que notre sous-développement n'est pas une conséquence d'une baguette magique. Notre sous-développement n'est pas un produit d'une baguette magique. C'est une conséquence de l'histoire. Notre sous-développement n'est pas un produit d'une baguette magique. Pas si l'angaï, et ça m'agite. Et ça conséquence, c'est à Makamou Koboui. Soit papa n'a pas Kabouana, n'a pas la classité. Soit papa n'angaï, à Koufa. On acquise Mobutu dans l'affairisme, ingouvernabilité. Tu vois. Le népotisme. Voilà. Et ça, conséquence, Wana. Et conséquence, on est toujours foutu. Recours à l'authenticité. Maintenant, les causes, c'est ce que Kamel est en train de chercher. Nati Sekidi. Tout ça, c'est pas congolais. Qu'est-ce qui nous a. Les lots, mon Mbuto Koufeli, papa Bomboko, mais Fayoul a Yibiso, Abani Koukoubiso, Barou Naba, Naba. Est-ce que Fayoul vous a divisé? Tu as un discours, oh Fayoul a créé. Fayoul nous a divisé, papa, na poto maba de Koufina, na outu poto poto pela, Mbali abandondo, abimine nana kwa kei. Moi, si Abouluba, Abimine nana kwa kei. Et c'est Fayoulou qui en est resté. Fayoulou qui est à la base de ça. Nous sommes à la télé. Oui, je répète, Fayoulou a fait ce discours-là. Nous avons vu les Daniel et Safo les répercuter. Bazou Lagsake, Bisso Ao Batoba Nundu, Baneo Congo, tout ça plus nombreux dans la ville à Kinshasa que Balouba. Et vous avez vu aussi Moukeba qui est dans la Mouka qui ne voulait pas ce tribalisme. Mais même s'ils ne voulaient pas, mais ils ont contribué à pérenniser ce discours. Ça causait des torts aux gens. Ma question est celle de savoir, Fayoulou en personne a créé cette division où c'est, comment dirais-je, l'amateurisme scientifique en fait de peuple congolais, le manque d'expérience. Non, il a dégagé ça. Il a dégagé. Fayoulou ne s'attaquait pas au Luba, mais au moins il s'attaquait au FCC. Non, sous carte, Fayoulou s'attaquait explicitement au Baluba. C'est ce qui a fait que ce discours a répercuté. Il y a Jean-Pierre Mbemba a compris avant à se retirer. Mon Moïse Katumbi a compris avant à se retirer. Parce que nous sommes tous en train de se faire. Nous sommes 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 en train de se un communiqué officiel avant Fayoulou à dimanche. Quel Lamouka Obino Boubouka? Non, non. Lamouka, il y a tant d'élections. Il y a tant d'élections. Il y a tant. Parce que les actions de Baouyon sont échouées. Parce que c'est une action qui est là. Pour que vous gagnez dans 5 ans. Fumé et c'est bimé. Président Moukoua a bimé. Lamouka a une chance. Il y a une action qui est menée sur le terrain. Pour les lobes de Tshisekedi. Quand Kamere menait des combats contre Kabila, qu'est-ce qu'il avait gagné si ce n'est pas être dircable de Tshisekedi en 2019? Non, nous nous sommes dit, on ne peut pas gagner, il y a un seul fauteuil du président de la République. Il ne peut se tuer à 37 ans. De même que Lamouka aussi aujourd'hui, Bako s'est préparé pour revenir dans 5 ans. Mais c'est notre souci, c'est le discours que nous avons lancé à Lamouka. Préparez-vous pour 2023. Fayoulou, c'est un Congolais. 2023, qui dit par la politique est dynamique. Bâton sur le bâton de Makambo, il y a cash. Est-ce que c'est un problème? La politique est dynamique. Quand vous accusez Tshisekedi aujourd'hui, vous... Moi, j'étais l'adversaire directement de Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, je suis le soutien inconditionnel de Tshisekedi. La politique est dynamique, ça change. Comme demain aussi, Tchatoumba qui aujourd'hui acquise Fayoulou peut soutenir Fayoulou. Mais c'est un Congolais. La politique est dynamique.
par rapport à la promesse qu'ils ont faite au peuple congolais. Mais tu sais ce que tu as de l'autre côté. La promesse de rejoindre l'FCC. De composer pour sortir des pays dans l'abîme. Ces pays dans l'abîme. L'Assemblée nationale, les CASH n'ont qu'un seul poste. Non, non, les gens ne comprennent pas. CASH et FCC. Mais, t'as là. Barren va voter Kabundo à Kabundo. Barren va voter FCC. Mais pourquoi pas qu'on ait voté Moutouma Mouti? Parce que vous êtes parti. Non, un candidat vous êtes unique. Pour la première fois dans le monde, l'élection est un candidat unique, un candidat famille politique. Il a accueilli une élimination. Le Kondo était là. Le Kondo a accueilli un combo à Palou. Il a accueilli un combo à Toutine qui était. Ah, à combien indépendant? Pourquoi avoir menti? Non, mais c'est la autre raison. Est-ce que pour postuler indépendant, ça vous pose problème en quoi? Pourquoi ne pas laisser le Kondo échouer aux élections, à l'élection? Non, non, il y a l'invalidation, il y a une procédure pour y arriver au point final. Pourquoi le Kondo, avant de venir candidature, pourquoi Bongo Sekité n'a pas parti? J'ai suivi Tchatouman Europe qui s'encharnait contre Kabila lors de l'invalidation de la candidature de Jean-Pierre Bemba, que c'était injuste. Mais aujourd'hui, il soutient l'invalidation de la candidature de le Kondo. Non, non, puisque le Kondo a mal procédé. A mal procédé. Jean-Pierre même était sûr dans sa tête que sa candidature serait invalidée. Il savait. Comment ça? Mais je te donne une réponse. Mais pourquoi le même Jean-Pierre Bemba avait la facilité de venir déposer la candidature et qu'aujourd'hui Jean-Pierre Bemba demande à être sécurisé pour son retour? Pourquoi lors de la candidature il est arrivé sans être inquiété? Aujourd'hui pour rentrer dans son pays, il commence à demander des garanties sécuritaires. Je vous réponds, je ne vous réponds pas, je donne l'éclaircissement au peuple congolais. J'ai couvert les activités pendant les séjours de Jean-Pierre Bemba ici. Il s'est passé quelque chose. Tant Wazoya, le gouvernorat en place avec Mbuta, Basira qui m'a emmené à Nyonso, il devrait demeurer dans son domicile de la Gombe. Curieusement, tout près de là où nous sommes. Curieusement, tant qu'on a commis un aéroport, peuple congolais, vous allez vous souvenir qu'il a fait plus de 3 heures dans 4 aéroports à Bimaraté. Tant qu'on a commis des gens à Kishasa, ne balobi comme moi, comme on en a connu. Bemba a fait 2 nuits dans GB. Là, je vous donne une information, s'il vous plaît. Parce que pendant que Salara a 2 jours à GB, il s'est senti en insécurité. Nakuna Maluku, Batwa Kabila, Basodam, Basalakuna. Ndakwa Gombe, ou a déclaré domicile, Naïba Boya Vanda. Il devrait se mettre où? Le père d'une famille. Akekbado a eu, à Monique Mambo Simbite, à Zongi Mbalamoko. C'est pourquoi aujourd'hui, sa démarche est que, le Kola, tu sais qu'il dit, c'est le frère de Jean-Pierre Bemba. Bemba le disait à tout moment et il le dit. Le problème est que Bazongi, c'est l'Endakuna. Et s'il parle de la sécurité, c'est parce que son manager, son challenger là, Kabila, qui se disait que c'est un voyou, tout ça. Le col a zaté. Botikaye, Azonga, bon remettre Endakuna. Parce que tu sais qu'il n'a pas un problème personnel avec Jean-Pierre Bemba. Mais c'est que Jean-Pierre Bemba veut à retrouver Endakuna. Donc c'est pour dire, certaines langues, le col a ouéouti Kolobake, il était venu déposer en sachant que Arosal invalidé, n'allez-vous expliquer Batou. Ayebake Arosal invalidé, n'a sens y'a que, même la constitution, les lois de la CENI qui organisaient les élections. Et ce qui connaît que Moutouazana n'a pas poursuite. Puisque Jean-Pierre Bemba, ses poursuites n'étaient pas encore définitivement closes. Il était encore dans l'attente. La CENI a une erreur. Je vous invite la semaine prochaine lors de ma défense. Vous serez présent. Je parle du contrôle de la constitutionnalité des lois. Pour comprendre que, parce que peuple congolais, je vous dis, c'est une information. Après le diplôme de licence en journalisme, bientôt je serai aussi licencié en droit. Et ça là bien. Donc le problème est que les Congos aujourd'hui, on ne pouvait jamais écarter la candidature de Bemba parce que partant du principe de la présomption d'innocence, une personne qui n'est pas condamnée n'est pas encore délinquant. Mais la CENI a invalidé Bemba en étant dans la procédure. Non, bah condamné qu'a été. Si go lelo, on ne fait pas les débats de Bemba. Moi, mon problème, c'est ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi le Kondo devrait être invalidé? Non, le Kondo devrait être invalidé, ce n'est pas le Parlement. C'est le parti d'origine de le Kondo qui a proposé notre candidat. Le Kondo s'est retrouvé, ils se sont retrouvés des origines, un même poste. C'est comme ça que le Parlement était dans l'incapacité de gérer ça. Il fallait invalider un qui s'est fait lui-même. Pourquoi Kotika Bangote na élection ou échoué? Non. Il faut l'organiser. C'est ça le principe démocratique. Non, il faut l'organiser. Il y a la loi. La loi qui a fait que quand quelqu'un déjà la possédait n'était pas déjà tronqué au départ, il faut l'invalider. C'est comme ça qu'on l'a invalidé.
Vous comprenez que le Congo a ses problèmes. Bon, comprenez-nous. Nous tendons sûrement vers la chute de ces numéros. Mais Bishop Chetumba, aujourd'hui, n'est-ce pas que vous avez Ozo, mon amboka oyo, n'est-ce pas dans 6 mois. Dans 6 mois, n'est-ce pas que vous avez comme le départ de décollage est bon, mais avec archevêque de. Qui a remplacé Kagina Mosengo a dit Fridolin Ambongo a dit tu sais qui dit déjà le départ est bon. Aujourd'hui vous êtes pour le CLC ou la SENCO? Non, parce qu'ils sont revenus à la raison. Donc vous la raison c'est soutenir Tshisekedi. Non, c'est rentrer à la vérité. Retour. Nous avons vu Kagina Mosengo qui voulait pas de Tshisekedi. Aujourd'hui il a fait discuter son invité à la messe. Kabila Joseph Abouye Makamba Basango. Mais ça t'a à qui ne pas s'en goûter à bouillir qui bango à la tibango qui n'a bouillé bino. Mais tu sais, dit Félix, aïe, l'invitation Moussengo. Moussengo a reconnaître que c'est le président après, mais bah qui gouverne en aparté, bah sur le manque à mon mais ne peuvent que faire ça parce que l'arrêt de la cour constitutionnelle rend tu sais, du président. Mais si Moussengo savait que la cour constitutionnelle avait déjà rendu tu sais, du président, il allait taire. Tu sais que il a dénoncé qu'il y a une fraude. Yo, yo, ni menté, il y a une non, fraude. Est-ce que la CENI peut publier la liste? Voilà. Est-ce que voilà, c'est une question. La CENI, yo ozara na poto, au moment élection en 2006 na Congo, au moment en 2011, soko beti site officiel la CENI, au moment na bureau par bureau, na OEP sera Kabila ba vote. Mais il y a Tshisekedi ezalaka wapi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, la CENI est incapable de publier les résultats. Elle publiera malamment 7 millions. Non. Donc, parce que nous avons déjà un problème. Problème au local, les gens, le col, un candidat réclame la vérité des urnes. Tout ce que la CENI peut faire, la CENI n'a pas. Est-ce que la CENI a publié? Non. On a, la CENI, la Cour constitutionnelle a demandé de preuves. Moi, déjà, c'était un élément clé. Mais cette même cour-là, est-ce que Yem Dago Senga preuve tout hier fois à la liste, il y a un bureau devant le centre de compilation? N'est-ce pas cette cour-là qui est chargée de vol? La Cour a été saisi par une partie où ils ont se sentir que l'élection est vérité. Mais ce qu'on court, non, nous facilitons, apportons-nous les preuves. La Cour n'a pas facilité la tâche. A facilité la tâche, parce qu'on a signé les preuves. C'est elle qui devrait avoir la liste. Non, l'audience était publique. Mais c'est elle, parce que c'est la Cour, c'est un appareil juridique à part. Ce n'est pas la Cour de cassation, c'est la Cour constitutionnelle. Mais qui a été saisi? Oui. Alors, maintenant, toi qui saisis la Cour, tu apportes la preuve. Maintenant, ils arrivent là sans preuve. Mais Cour va se saisir de quoi? C'était clair. C'était les moyens pour lesquels coincé Tshisekedi. Il y a qu'une preuve, Fayoulou. Mais Fayoulou a eu un carton et tourne la Bible et a témoin de Jéhovah. Ils ont eu un PV. Non, mais la Bible et tourne la témoin de Jéhovah. Les preuves de Fayoulou, elles ont été mitouya, il y a un avocat en plein plénière. Alors tu dois dire, tu as eu un mais la CENI elle-même va invalider un papier. Il y a arrêt à cour constitutionnelle, il y a ces pays où ils ont déjà un appel. C'est ces papiers-là qui sont invalidés. Ah, mais parce qu'ils étaient en attente. Mais c'était ça la preuve. Est-ce que la preuve va avoir un bon mais tout ça. La même procédure, Bobo, Bofing et Raphaël, c'est la procédure qu'on aime. Non, qui m'a dit qu'il y a un peu de temps. Tout le monde est, tout le monde est. Et c'est très simple. Mais vouloir que Congo est Koufa, parce que ce n'est pas Tshisekedi qui va mourir, c'est le peuple qui va payer l'addition. Pourquoi tout le monde est en Koyo? Tout le monde est en Koyo, pour Nanin. Pourquoi tu dis que tu es un homme qui est Toko ma batu. Je n'ai jamais attaqué ni Mike Mukebaye. Je n'ai jamais attaqué ni Daniel Saf. J'ai compris que c'est la démocratie. Il peut faire les chemins. Mais un dénominateur commun, c'est la démocratie. Ni Jacquinda. Ni Jacquinda là. Jamais. Je les attaque jamais. Et puis que c'est la démocratie. Ils peuvent avoir leurs opinions. Mais nous avons un dénominateur commun, c'est le Congo. Donc, depuis surtout, nous disons mon côté. Attends, je ne m'en passe pas. Mais nous avons un dénominateur commun. Mon contact c'est plus 243. Enfin. Ah, Tshatumbe, Kerelenge, plus 243. Oh, Ndambe, Mbokoyo. Plus 243, 840, 364 et 171. Boyo Kerelenge, plus 243. Mais tu sais quand 0033. Ils ont salué à bien été.
Merci, c'était Bishop Chatumba. Vous comprenez que c'était chaud. Et la complicité des professionnels, les Alaka Aboye. Donc, je dis comme ça, un grand merci pour la disponibilité. Nous y reviendrons la semaine prochaine pour l'actualité au changé. En tout cas, comme je l'ai dit, il sera à tout moment avec nous. Et puis, tant que vous voyez, j'irai pour envoyer la bino ba preuve. Na si office nzabi akokende to filmer to sala ba interview to yeba si réellement Vital Kamerhe aza muto walungu aza mushi to yeba yango. Sur ce, nous disons un grand merci à Fils Nzabi qui était derrière la caméra, c'est lui qui était au montage, c'est lui qui fait la réalisation de cette émission. Merci comme ça à mon vieux, le partenaire Siamoulex Aigle Noir, merci pour le geste. Merci Francine Ngembi, hein, la top manager, la patronne de Congo Dialogue où je suis travailleur. Merci à tout le monde qui nous soutient. Merci à Banque Mondiale. Merci à Mère Annie, hein, depuis Paris. Donc, Binonionso, Obozawana, Mère Annie, Napesi Papa Mbote, depuis Suisse. Donc, merci à Binonionso, Obolandarabiso. Merci à mon fils précieux Kambanga. Et je vous invite déjà, Bébé, Bozawa, image à très bientôt. Vous comprendrez du contrôle de la constitutionnalité des lois. Et des actes ayant force des lois. C'est ça l'économie de ce que nous avons fait à l'université en droit. Donc, chers messieurs, vous aurez un juriste à la fois, un journaliste, et Zabongo Karapona Otombo, la Bende, la Mboka Oyo, tous ceux qui sont en Oboe, pour Mboka, on a besoin de Yamael Koufa, Nenge Bishop, l'autre fois, et ça, les gens qui ont passé dans l'émission, on allait enterrer cette intelligence très tôt, mais nous avons besoin de Mboka Toza, peut-être continuer. Mi bounde la poso, mi bounde l'ité, mto bounde lo, azate peuple congolais. Yangwana, to telemi, to lobiga la puissance à l'iloba, et le ki à l'issasi. To tikali, to koutani nabino, na prochain numéro. CongoDialogue.com.